Avez-vous vu? Il y a des manchots de Noël de pingouins de Royal. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était joyeusement porté par Lucie Riffard. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Lucie, t'es ici à 70% pour une raison très particulière. Et voilà, parce que...
On se rappelle, la semaine passée, Lucie avait gagné le concours d'acrostiche qu'elle avait elle-même lancé en nous envoyant un acrostiche sur 70%. Ce que personne d'autre n'avait fait. À date, personne. Donc, jamais. Gagné par défaut. Exactement. Et sinon, ben, avant de se lancer dans la remise de cadeaux et tout, c'est de bon ton de saluer les gens qui sont avec nous au party de Noël, parce que c'est notre premier 70% de décembre de Noël. Mm-hmm. De Noël. De Noël. De Noël. Et on a bien sûr Emmanuel Côté-Séguin qui va venir nous lire des nouvelles de Noël. Bonsoir. On a Julien Bernatchez de Noël. Bien sûr. De quoi aujourd'hui parler de Noël? Je vais parler du dernier phénomène bande dessinée. Oh là là! Ah, c'est le retour de Gaston, tu sais? Pas Gaston, non, il n'est pas encore disponible. Toujours pas de Étienne Forêt qui est encore parmi nous. Encore et toujours. C'est pour une dernière fois, d'ailleurs, que... Encore et toujours pour une dernière fois. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un spécial Noël dépressif. Préparez vos mouchoirs et vos Valium. Puis quand on dit pour la dernière fois, c'est parce que tu commences ton émission personnelle à toi. Là. Exactement. Donc, à partir du 18 décembre aura lieu, ou en tout cas, peut-être le 11, on verra, ça dépend d'un CA, mais mettons... Le 18, il y aura ma première émission live en studio ici d'une durée d'une heure de DJ Georges Hebdo qui devrait se répéter de semaine en semaine, sauf que c'est plate parce que la semaine d'après c'est Noël, puis la semaine d'après c'est jour de l'an, fait que c'est tout de suite des vacances. Ça c'est mon genre de job, tu sais, comme je commence, tout de suite des vacances, j'ai fait ça plein de fois dans ma vie, et ensuite donc ça reviendrait. Et étant donné que là ça me prend du temps à faire ça, puis tout ça, puis que j'ai une vie déjà bien remplie, je suis obligé de m'écarter un peu de 70%. Mais c'est pas exclu qu'une fois de temps en temps, voir genre quand ma femme a pris des gravoles et qu'elle s'est endormie. C'est signe de vitalité aussi, on a un premier spin-off. Ouais, ben oui, voilà. Ben important, hein. Ben hâte qu'Emmanuel aussi commence le sien, là, ça va être beau. Ouais, juste des nouvelles, le téléjournal. Le téléjournal. Sinon, ben, on a notre ami Christian Ravenel qui est de retour en studio avec nous. Bravo! Il est dans le salon et il est avec Marie-Ève. Ça va se passer à soir, là, ça va brasser. On nous a promis un show bien spécial avec de la magie. Et de la nudité, je crois. De Noël, de Noël. De Noël, de la nudité frontale de Noël. Et là-dessus, Lucie, on se rappelle que la semaine passée, tu avais fait 70% en acrostiche. Oui. Cette fois-ci, tu en as un autre. Avant ton cadeau, est-ce que tu veux nous lire ton nouvel acrostiche, s'il te plaît? C'est bien pensé, Tommy, de lui faire lire avant le cadeau. Bravo. Ben oui, je suis rusé. C'est la magie de Noël. Je pensais plus le poster si quelqu'un voulait compétitionner. On t'écoute. Oui, ben si quelqu'un est prêt, hein, envoyez-nous-les à 70% à gmail.com. C'est quand même du haut niveau. Faites pas ça tout seul chez vous. Non, vous allez vous briser un lobe frontal. C'est ça. Vas-y, c'est Lucie. Parti. On t'écoute. D pour Darwin. O pour obligation bancaire. U pour Uruguay. T pour tungstène. E pour euphémisme, U pour urinothérapie, X pour X-Men, P pour PowerPoint, O pour oh là là. Très fort celle-là, oui. I pour Indigo, N pour Naël, T pour Tortue, T pour Timon et Pumba, Timon et Pumba, V pour ventilateur. C'est ça qui nous donne. Douteux.tv. Douteux.tv. Merci beaucoup, Lucie. Et sur ça, on va être rendu au moment où tu vas mériter ton moment du cadeau. C'est un cadeau concept, étant donné que tu as gagné, lancé, participé à et gagné, tout ça en même temps, un concours d'acrostiche. J'ai un cadeau en acrostiche pour toi. Alors, L pour Lucky Luke, il s'agit ici de l'album 33 tours, courte durée, La balade des Dalton. Un classique. Très courte durée. Alors, oui, heureusement. Nous avons également U pour Upper Deck, une carte de hockey de Youpi. De Youpi, chanceuse. Wow! Ça va valoir cher. Oui, mais qui meurt. Mais qui Youpi meurt. J'ai bien fait de venir. Ben oui, c'est sûr. Ensuite, C pour Carmen Campagne. La moustache à papa, un classique international. Movember, oui. Hein? Oui, Movember qui termine, c'est vrai. Ensuite, I pour interprétation des rêves. Donc, voici un coffret qui va te permettre de les interpréter, de les prendre en note et tout ça. Et finalement, E pour étendard. Donc, voilà, bien sûr, un étendard des Canadiens qui n'ont pas fait de points cette année encore, exactement comme l'année passée, à la même date. Et le tout forme donc Lucie, évidemment. Donc, voilà. C'est mon nom, ça tombe bien. Bravo! Bravo, Lucie. Beaucoup, Lucie! Merci beaucoup. Un câlin de Noël! Okay. On a été contents. Hey, là-dessus, on s'en va écouter. En fait, c'est deux fois d'affilée. On va avoir deux clips qui nous viennent de Danny Daniel Gabriel, qui est là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui quand même utilise notre plateforme pour lancer en primeur
C'est Petit Quotidien, et aujourd'hui, je pense que ça parle du déjeuner. Oui, là-dessus, il y a présence de bacon, Tommy. Et voilà. Merci, Étienne. Et sinon, je suis très content de vous annoncer que le long métrage qui a été voté au www.douteux.org, c'est l'excellent Star Crash 2, qui n'a rien à voir avec le premier, mais c'est quand même le 2. On va en revenir pas mal. Non, on n'en reviendra pas, mais on va revenir sur le sujet pendant le film. Moi, on va mettre la pub puis Bad Time in Clerkenwell de bord. 70% sur les ondes de Comme ta mère, là.
Allez, si tu t'en vas, des déjà, je peux te prendre ton indicatif. Ouais, ouais. C'est bon. Je te le laisse. Fais-en bon usage. C'est réglé. Let's go, DJ. Ouais. Noël dépressif, on en parlait. C'est une première, je pense, mondiale. Une thématique spéciale. Moi, je crois qu'il y a personne qui a jamais fait ça. Mais en fait, c'est même pas mon idée. Je prendrais pas le crédit non plus. Tout ça a commencé sur Facebook, comme tant d'autres choses. Il y avait Paul-André Caron qui disait qu'il détestait les tunes de Noël puis qu'il était pas content qu'on commence déjà à en entendre. Fait que là, je me suis ostiné un peu avec lui, comment ça. Puis là, il y a une de ses amies, Stéphanie Benoît Huneau, que je salue, que je connais pas, que sa face, ça ressemble à une petite pouliche, apparemment. Puis, c'est les filles, hein, c'est souvent ça. En tout cas. Donc, là, on discutait là-dessus. Puis là, lui, Paul-André, me disait, ce que j'ai eu des tunes de Noël, c'est que c'est trop joyeux, hop la vie, tout le temps, ça m'énerve. Donc, clairement, il y a un problème psychologique, mais ceci nonobstant, là, c'est là que Stéphanie, son amie, a dit des tunes de Noël, genre une chronique Noël suicidaire, ça serait bon. Puis là, je me suis dit, quelle bonne idée. Fait que là, après ça, Paul-André a dit, ça serait peut-être plus correct d'appeler ça Noël dépressif. Fait que les deux termes sont acceptés, selon moi. Et puis là, je déclare que c'est ça, je suis un expert quand même. Donc là, j'ai commencé à fouiller dans ma discothèque pour trouver des tunes de Noël déprimantes. J'en avais quelques-unes en tête quand j'ai parlé de ça avec Paul-André, mais finalement, en creusant, j'en ai trouvé 32. Moi-même, je suis surpris qu'il y en a tant que ça, finalement. Parce que d'habitude, c'est vrai, Noël, c'est joyeux. Mais là, des fois... 32 tunes de Noël déprimantes, ouais, downbeat. Puis ça, c'est celle que, tu sais, il y en a que j'ai laissé tomber en plus. Puis okay. Bon, voilà. Donc, souvent, à Noël, c'est bon ton, de temps en temps, de se rappeler qu'il y a des gens qui sont malheureux, puis d'avoir un peu d'empathie pour eux pendant une semaine avant de recommencer à s'en crisser pendant le restant de l'année. Donc là, souvent, il y a des tunes qui sont faites sur cette thématique-là. Donc, on a, par exemple, Noël de la rue, Noël du mendiant, Noël en prison, tu sais, ce genre d'affaires-là. Ouais. Fait que ça revient souvent. Donc, par exemple... Noël, c'est pour tout le monde une fois par année. Ouais, puis là, il faut avoir une... petite pensée pour eux. Par exemple, Aldéi Duguay nous chante ici le Noël du mendiant. Donc là, on n'avait pas testé mon son, peut-être j'avais calé, mais voilà. Donc tout à l'heure. Pas un peu de change. Et c'est une complainte? Une des deux est une country. Il doit y avoir plusieurs des complaintes dans cette liste-là, pareil. Pendant qu'on regarde les vidéos de Noël de Predge quand il était petit. Ça, c'est la mère de Predge. J'étais pas mal de MILF. Oh! Ah, le père à Predge. Le père à Predge, ici. On le salue. Qui est décédé deux ans après sa naissance. Et on a Predge ici, petit coquin. Toujours tout pour se faire remarquer. Il a l'air d'un singe. Avec sa maudite guitare blanche. Oh, le manon qui t'a pas nu de Predge. Voilà. Des bons souvenirs. Bon, fait que ça, c'est le Noël mendiant, tu vois, on a une petite idée. Et sur la même cassette, Tommy, car oui, on peut faire deux affaires même sur la même cassette. Il y a Aldéi Duguay qui chante également Noël en prison. Parce que c'est triste, ça aussi, Noël en prison. Je sais pas si t'as déjà eu une pensée pour les prisonniers pendant le temps des fêtes, hein, mais eux autres aussi, c'est Noël, mais sauf qu'ils peuvent pas fêter, puis... Tu vois? Mais tu vois, en plus, c'est là qu'il se rend compte qu'il aurait dû écouter sa blonde. Mais ça veut dire que sa blonde, en plus, elle y avait dit, tue pas le voisin innocent, tu vas finir en prison. Puis lui, il n'a pas écouté ses conseils, là, il était en prison. Fait que là, il y a quand même aussi la famille du voisin qui fête un premier Noël sans leur père. Sans leur père. Ça, on n'en parle aucunement dans la chanson, étonnamment. Faut penser aux prisonniers, tu sais, parce qu'ils font pitié, les gens qui font des crimes et qui se font pogner. les gens qui font des crimes. Tu sais. Comme tuer des gens. Par exemple. Ouais. Qui n'a pas déjà tué quelqu'un, que celui qui ne l'a jamais fait lance la première pierre et commence à tuer quelqu'un une fois, tu sais. Donc, Noël en prison. Donc, voilà.
Après ça, ben, il y a également le Noël de la rue, parce que, bon, ça ressemble un peu aux mendiants, mais c'est pas parce que t'es dans la rue que tu quêtes, tu sais, des fois t'as de l'orgueil, puis tu fais un qui reste dans la rue, puis c'est tout. Donc, ici, on a Sœur Angèle, qui a sorti un album de Noël, mesdames, messieurs. On l'oublie souvent. Un album de? De Noël. OK. Ouais, et ça s'appelle le Noël angélique de Sœur Angèle. Puis là, ben, là-dessus, elle fait des duos avec du monde, puis tout. Mais elle fait aussi le Noël de la rue, donc vous voyez ce que ça donne. Ça part fort là. C'est très triste. Petit bonhomme, où t'as voltu, courant tes filles sur tes pieds nus. Oh. Je cours après le paradis, car c'est Noël, ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent de la rue fait pleurer les enfants. La les lumière enfants. Et la joie sont derrière les vitrines, ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine. Voilà, et voilà. La voisine qu'on va tuer tout après. Oui. Puis pour passer Noël prochain en prison, au moins on va être nourri. Donc voilà. Tu remontes dans le temps. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est là, cool. Tu vas avoir le Noël de quand papa est parti. Exact, c'est ça. En 2006? 2006, ça, mesdames, messieurs. C'est fou, hein? Je pensais que t'étais morte, ma soeur Angèle, mais non. Non. Mais en cherchant ça aussi, j'ai trouvé une autre version de Noël de la rue. Sérieusement, je l'arrête. Merci. Noël de la rue, il n'y a pas juste Sœur Angèle qui a chanté ça, la toune est plus vieille que ça, évidemment. Et j'ai la version ici de Yolande Guérard. Puis ça m'a fait, en fait, découvrir l'album de Noël de Yolande Guérard que j'avais chez nous dans mes bibliothèques. J'avais rien que jamais pris le temps d'écouter en me disant, bah, Noël, j'en ai plein du Noël. Ça mais non, mais là, quelle découverte. Yolande Guérard, en fait, il chante avec une grosse voix grave et puissante, des tounes sur un rythme un peu lent, ce qui fait que même ces tounes de bonne humeur sont déprimantes. Mais là, sur c'est, son c'est disque, un talent particulier, il ça, quand fait même. Aussi des tounes déprimantes, comme par exemple sa version ici du Noël de la rue, que je pars à l'instant. Puis on a la même intro fait, tantôt. Fait que là, t'as comme un gars qui chante des tounes heureuses déprimantes, qui fait une toune déprimante. Fait une toune déprimante, c'est de la c'est méta dépression. Ça commence à plus deux, ça, genre. Écoute, t'es rendu loin, là. Bonhomme, où t'en vas-tu, courant ainsi sur tes pieds nus? C'est genre de même, là, t'sais. Ça grèche aussi. Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël ça me fait penser à... La rue, oh. Ça me fait penser à RBO, à un moment donné, là. Il y a un qui va chanter de la poésie, là. Tagada, tu m'as dit, un bout de poutre. C'est un peu ça. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine. Hey! T'es sérieux, là? Nécessairement, au bout de... On n'a même pas fini, là. On est loin. On est super pas loin. On n'a même pas écouté une minute. Bon, ça c'est une toune de Yolande Guérard, mais là, évidemment, moi quand j'ai entendu celle-là, je me suis dit, je sample l'album, c'est trop bon. Puis là, la track juste après, c'était Noël sans toi. Ce qui est triste aussi, tu sais, c'est pas un gros drame, mais juste d'être séparé de sa blonde ou quelque chose. Se virer un ongle à Noël. Vomi de Noël. Ongle incarné du vin Messie. Pour vivre Noël sans toi. Moi, je... À 2 minutes 15, là, sérieux, ça, on dirait que c'est 1h30. On garde ça en background pendant qu'Emmanuel nous fait une première nouvelle. Ouais, j'espère que ça va être une bonne nouvelle. Toi, tu continues, toute l'émission, tu vas nous mettre du beat de Noël déprimant. Ouais, c'est bon, bon excellent. On va sortir de ça avec le sourire. Pas de nous présenter l'artiste et la toune une fois de temps en temps pour qu'on c'est bon. On soit au fait du Noël déprimant. Bonne Yolande chance. Yolande Guérard. Yolande Guérard. Ah, il est mort, c'est sûr, ce gars-là. Partout, c'est Noël. Alors, partout, c'est Noël. Partout. Emmanuel, partout. Nouvelle. Oh yeah. De Noël. Jennifer Fitzgerald, d'une mère monoparentale et sans emploi de Chicago, tu vois, on respecte le thème, doit une centaine de milliers de dollars en tickets de parking pour une voiture qu'elle ne savait même pas posséder.
Son ancien petit ami s'était acheté une vieille Chevrolet Monte Carlo 99 pour 600$ à son oncle et l'avait enregistré à son nom à son insu en 2008. Le couple s'est séparé en 2009 et celui-ci a laissé la voiture dans le stationnement de l'aéroport. Quelle charmante attention. Depuis 3 ans, 687 amendes ont été données pour un total de 105 761 $ et 81 cents. Tout empilé sur le windshield. Coiffant par le même fait la plus grosse amende de l'histoire de l'État qui n'était qu'à 65 000. C'est à peu près le double. Mais on n'a jamais envoyé une lettre. Les lois de l'État statuent qu'une voiture stationnée depuis plus de 30 jours doit être remorquée. La plupart des tickets n'auraient jamais été donnés si ça avait été le cas. Elle ne pouvait pas déplacer la voiture n'ayant pas les clés du véhicule et a donc demandé au service de police de l'aider à le faire, mais il n'avait pas accès au stationnement de l'aéroport. Son permis de conduire est suspendu jusqu'à ce que l'affaire se règle en cours où elle poursuit son ex, la ville, ainsi que la compagnie qui gère l'aéroport et qui aurait dû remorquer la voiture après 30 jours. De Noël. De Noël. De moi, je présume une victoire, Emmanuel. Ouais. On lui souhaite. On lui souhaite. Il me semble le gars qui mettait le ticket. À chaque fois. Hey, j'ai hâte, demain, je vais y en donner un autre. Tous les matins. Par-dessus la pile, le windshield, il se fait on va aller à, on va aller à l'autre, de l'autre côté du spectre. Des sacs pour accrocher les. Tu voyais plus le char, il y avait juste des tickets. Ouais, on va aller à l'autre côté du spectre de la richesse. Tiens, de plus en plus de produits sont disponibles dans des machines distributrices de nos jours. Mais après qu'une compagnie de LA a offert des cupcakes dans une machine 24 heures, il semble qu'il n'y ait plus de limite. Beverly Hills Caviar a dévoilé son nouveau distributeur avec écran tactile. Dans la liste des produits disponibles figurent évidemment le caviar, des truffes, escargots, sel gastronomique, paquets cadeaux et autres produits de luxe. La fourchette de prix s'étend de 50 à 500 US dollars. Les passants interrogés se sont entendus pour dire « Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop cher pour moi » et « Ouais, je peux probablement penser à de meilleures choses à acheter dans une machine distributrice que des œufs de poisson. » Ben ouais. Tentez, sortez votre carte de crédit Platine 2 Privilège Extra et allez déguster entre 7 AM et 2 AM ces petits plaisirs simples sans l'horreur d'un contact humain avec celui qui vous les vend. Ah, ça c'est vrai par exemple. C'est l'horreur bien dit de Noël. Ben oui, de dans Noël. Cette période d'amour. Du caviar. Panique à Phoenix. Le département de police de Phoenix était en émoi alors qu'une lampe de poche a été trouvée traînant au milieu de la rue près du QG des forces constabulaires. La lampe de poche était allumée et a été jugée non dangereuse après un examen attentif du dispositif. On voit que ça a passé à la télé en plus. Là. C'était un film au début. Là. Attends, je vous explique là. À leur défense, la population de la région est sur les nerfs avec ce genre d'objet depuis qu'une série d'incidents impliquant des lampes de poche et des explosifs a fait 5 blessés au cours du mois. Les lampes de poche étaient laissées à traîner et explosaient une fois allumées. Plusieurs autres lampes de poche ont été trouvées à travers la ville, mais aucune ne contenait d'explosifs. Ok, fait que t'as un rusé qui est en train de laisser des mines de même. Pis... De semer la panique à grand coup de flashlight. C'était drôle un peu pareil. Ouais, c'était quand même un peu drôle. Moi, je suis sûr qu'il y a au moins un reporter qui a dit « On va faire la lumière là-dessus à un moment donné pendant toute cette affaire-là. » Oh! C'est certain. Et ce gars-là est maintenant porté en héros. Maintenant à TVA. Une dernière de ton premier bloc. Hunter Lacey, le propriétaire de deux restaurants dans l'État du Montana, s'est entendu à l'amiable avec Dex, l'équivalent des pages jaunes là-bas, suite à une poursuite pour négligence, diffamation et calomnie. En effet, la mauvaise publicité causée par le fait que son restaurant figure dans la catégorie récupération de carcasses animalières semble nuire à son commerce. Ouais, j'avoue. Ce qui pourrait paraître une simple confusion de classification découle en fait de la mesquinerie d'un ancien employé de Dex auquel Lacey aurait refusé d'acheter de la publicité dans son répertoire téléphonique. Le vendeur ne travaille plus là-bas depuis, mais l'erreur est restée dans les répertoires papier et en ligne de la compagnie depuis 2009. J'imagine qu'il y a une leçon à tirer de tout ça, mais je préfère ne pas encourager toute forme de sollicitation téléphonique. Bien vu! Aïe, aïe. Bon. Merci beaucoup, Emmanuel. Un plaisir. On va y revenir tantôt. De retour plus tard. J'ai entendu dire que t'en avais d'autres. C'est une rumeur qui court. Puis on a M. Ravenel dans le salon qui commence à se réchauffer. Là, je pense qu'on va aller écouter deux petits clips encore. Un clip de Noël. J'ai Mario Benjamin de Noël. Ah. Hey, je l'avais préparé moi aussi. Parce que Mario Benjamin, il vient de sortir ça, là, récemment. Ben ouais. Puis c'est les enfants oubliés.
de Noël. C'est dépressif à ton goût. Donc, tu vas peser pause sur qu'est-ce qu'il joue là. On est devant Alain Morisseau et Sweet People. Et Sweet People qui chante une autre version de Noël sans toi qu'on a entendu de Yolande Guérard avant. Et vous pourrez voir le spécial de une heure de Alain Morisseau de Sweet Noël. People de Noël pendant le Grand Marathon. Ah, d'ailleurs, j'en profite, magistral. J'ai oublié d'en parler tantôt, mais ce dimanche, c'est Everything is Terrible de Noël au Brouhaha de Noël ce dimanche le 9. De Noël. Là-dessus, de Noël, on part Mario Benjamin de Noël, de Noël, de Noël, de Noël. May this Christmas be your merriest. May this New Year be your Noël. Is the sincere wish of this theater and these friendly business firms. Les enfants. Les enfants battus. Les enfants perdus. Ouais. Écoute, j'ai vu ça aussi. Ça peut juste être bon, là, ces deux géants. Là, les deux sont en train dans les rues. On commence en ami avec des gabouettes. Ouais. Et oh, ils ont froid. Ils ont froid. Ils sont blancs et ça, je pense que c'est pour le bon joueur. Ils sont remplis de brouillard. Comme une volée de pauvres moineaux. Ils ont pour rêver. Les enfants oubliés, non pour seuls parents, que les bruits du grand boulevard. Dans le creux de leurs mains, ils tendent aux passants des objets dérobés. Au bazar, ils ont pour s'aimer deux naïfs amours, la fragilité des mots de velours, ils ont pour palais. Ils sont presque nus, mais se sentent
les enfants du bon Dieu. Magic, à soir, on joue à Magic. À soir, on joue à Magic. Je pense que ça me tente pas m'amuser avec des elfes drôles, avec des cyborgs, puis des vampires. Ça me tente pas. C'est samedi, on va acheter de la bière, on va jouer à Magic. De toute façon, je peux jouer à ta cochonnerie. On va te le montrer. Ça a l'air drôle, puis vous avez l'air d'une gang de fanatiques. C'est une bonne place pour rencontrer des gars très moins. À soir, on joue à Magic. S'ils sont comme toi, je préfère rentrer. Je vais te laisser le deck de gobelin. Soir, ça va bien aller. À soir, Marianne, on joue à Magic. Lâche ton petit cossin. C'est correct. Donc, on est de retour, on est dans le salon du Musée de l'Absurde. Ici, on va avoir notre maître mentaliste, Christian Ravenel, qui va hypnotiser quelqu'un qui a été choisi par le tirage du hasard. Sinon, j'aimerais vous mentionner que Marianne est venue jouer à Magic. Je lui ai montré comment faire. Elle a pris le deck d'oiseau, finalement, puis elle a gagné les deux games qu'on a. En tout cas, là-dessus, Christian? Bon. Donc, on va faire une petite expérience. Pour voir si c'est possible d'en fait d'aller dans différentes dimensions, comme dans des dimensions comme dans des films ou des trucs comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter Marie-Ève ici à venir s'asseoir. Et on va essayer de prouver ce que c'est possible de traverser l'imagination d'ici, l'imagination, de voyager à travers notre imagination et de revenir peut-être avec des preuves physiques. OK. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que je voudrais que tu visualises un moment, une heure exactement à laquelle que tu voudrais voyager à travers le film. Parce que je vais t'envoyer dans un film qui s'appelle The Good, the Bad and the Ugly. Okay? Et c'est un film avec Clint Eastwood, c'est un western spaghetti. Okay? Donc, je vais te demander genre une heure où est-ce que tu voudrais exactement voyager là. Okay? Donc, pour ce faire, j'ai ici une petite enveloppe et je vais te demander. D'inscrire l'heure. Ça, c'est pour, premièrement, peut-être quand tu vas passer le portail tout à l'heure, tu vas oublier. Deuxièmement, c'est pour pas passer pour un tweet. OK. Montre-moi le pas, OK, mets tes initiales. Parce que la place. OK. D'accord. OK. Donc comme ça. OK. Et là, tu vas la glisser dans l'enveloppe. Fair. J'ai ici un petit morceau de ruban rouge. OK. Et ce que je voudrais faire, je voudrais que tu fasses, c'est que tu... Donc, on va mettre ça là. Tommy, ici. Okay. Et ce que je voudrais faire, Tommy, c'est ici, ok, je voudrais vous finir. J'ai des caisses qui viennent de faire, dont le Mexique et les États-Unis. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta main comme ça, ta main droite. D'accord. À la haute du temps. Okay. Et on va prendre un half dollar et un cent suevo qui sont mexicains et américains comme le film. Donc, ce qu'on va faire, c'est que...
enfants, OK, et tu vas mettre. Tu vas mettre l'élastique. OK. Tu vas prendre. Ensuite, tu vas prendre ça, ici. OK. Et je crois que j'ai un crayon quelque part aussi. Donc, on va prendre un petit livre que j'ai ici. Et j'ai un autre élastique. OK. Et on va mettre dans la main. Et on va mettre l'autre secteur dessus. Vite, vite, vite. OK. D'accord. Maintenant, tu vas juste te faire, juste t'aider à aller à relaxer. Donc, comme dans la situation. Et quand tu es avec la crainte, tu as juste de rester des yeux. Donc, tu fermes les yeux. Maintenant, tu vas te retrouver, OK, dans un cinéma. Donc, tu te retrouves dans un cinéma, ça va? Et dans le cinéma, tu vas t'asseoir dans une des rangées. Tu vas regarder l'écran. Et présentement, ce que tu vas voir, c'est le film, en fait, The Good, The Bad and The Ugly, qui commence. Et tu vas sauter dans le film et traverser le portail du temps et des dimensions. D'accord? Là, rendu dans le film, tu vas dans une petite ville, et puis il y a comme un bar, tu vas dans le bar, dans un saloon, tu rentres dans le saloon, et tu vas au comptoir, et tu commandes une cervoise, d'accord? Et bon, on te demande combien ça coûte, fait que tu lui donnes un 20 centavos, que t'as dans ta main, tu lui donnes, d'accord? Et bon, tu devrais sentir quelque chose dans ta main présentement bouger, OK. Là, tu regardes à ta gauche, et tu vois Clint Eastwood, tu t'es assis à côté de Clint Eastwood, tu dis salut. Hey, écoute, je suis en mission. OK, exactement l'heure que tu vois là, Clint, sur l'horloge, c'est l'heure que tu l'heure à quoi tu penses présentement, OK? Tu sais ce que tu me suis? OK? Tu dis, peux-tu la marquer tu sors un pad, tu mets sur la table, tu dis, peux-tu signer sur le pad, puis marquer ton autographe, s'il vous plaît? Fait que il marque l'heure, il signe l'autographe. Et toi, tu te lèves, tu dis merci, et tu traverses la porte, traverses le portail, et tu reviens dans le cinéma. Et tu ouvres les yeux. OK? Et maintenant, vous pouvez fermer la musique, tu sais. OK. Très lentement, OK? Laisse ta main fermée, fais juste ce que je t'ai dit de faire. OK? Non, mais... OK? OK. OK. Mais il manque le Santuavo a disparu, OK? Mais plus que ça, ici. Ici. Asti de fucker! Attends. Il y a un pen avec un crayon. De tabarnak! Et regarde toi-même. C'était quoi ton heure? C'était 1h05. 1h05? 1h05? Ouais. Oh non, chier! Ben oui, j'ai des bonnes gaffes avec. T'as envie d'y péter à la face? Moi, oui, en tout cas. Faut brûler les sorciers, esti. Ah ouais, on va aller mettre un clip de Noël. Merci beaucoup, Christian. C'est un plaisir. Tu vas pouvoir le remettre dans la face du monde qui ont ri de toi la semaine passée. Puis on espère te revoir dans le futur. On écoute un clip de Noël, le choix de Dieu. Mais merci, Christian. Puis, s'il te plaît... Utilise pas ton pouvoir pour les forces obscures. Merci. Merci, Marie-Ève. Et je vous prie de me croire pas toujours très sage. Sur une musique de Bob Crew, il chantait « Triste Noël ». Voici en souvenir René Simard. Je descendrai la cheminée.
verre de main pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi. De prendre les enfants. Là-dessus, Étienne, Noël dépressif, t'en as deux à nous présenter? Ben tout à fait. Que j'en ai une excellente que j'ai déjà fait jouer ici, je pense, quelque part, en tout cas. C'est Chantal Perry. Chantal Perry, qui est toujours très bonne. Son album de Noël, toujours. Son album de Noël, ben c'est celui où il y a ça dessus, là. Oups, on a... C'est Noël. Ah ben oui. Ben oui. Car ça, tout c'est Noël. Noël, seulement 12,95 jusqu'à épuisement des stocks. Donc, l'album de Noël de Chantal Perry, c'est plein de chansons originales qu'elle avait créées elle-même, au lieu de refaire tout le temps les mêmes maudites tunes que tout le monde fait. Et là-dessus, il y a une chanson qui s'appelle Bonhomme Noël. Je passe ça à l'instant. Ouais, je m'en rappelle. Tu te rappelles de ça, hein? C'est marquant. Bonhomme Noël, c'est l'histoire d'un gars qui fait le Père Noël dans un centre d'achat, puis qu'à la fin, il faut qu'il retrouve, quand c'est fini, sa vie d'olle de marde. Belle, là, pour l'instant, tout est beau. Car au rayon des beaux jours, sur tes genoux. Bang, bang, c'est toi le bang, bang, on dirait. Payé, bang, juste pour bang, dire que t'as pas pour être drôle, pour être gay. Avec ton rire de Père Noël. Là, c'est tout beau, là. C'est rose, les vieilles belles, c'est le temps des fêtes. Là. Mais lorsque tu iras, qu'arrivera-t-il? La fête des enfants. Ce n'est pas éternel, malheureusement. Tu me laisseras ta place au nouvel an. Là, c'est le put, là, ça va mal. Toi, qui n'es pas là, tu seras. Ok, ok, Chez lui, elle va énumérer tous les problèmes qui l'attendent chez lui. Dépression inconnue. Tu auras des factures à payer. Ah oui. Ton garçon qui s'est enrhumé. Comme d'habitude. Tu auras ta femme qui t'a quitté. Pendant le temps des fêtes. Avec le voisin d'à côté. Qui va aller tuer parce qu'on va s'en prendre. Tu auras la vie qui recommence. On est tellement si récurrents. Tu auras ta vie de journalier. Journalier. Comme si le rêve non. N'existe pas. Voilà. Dur retour à la réalité pour ce Père Noël de centre d'achat. Comme si ce rêve n'existe pas d'être un Père Noël de centre d'achat. Parce que juste ça, ça doit être assez déprimant, merci, mais tu sais, quand ça c'est fini puis que c'est pire après. Oh là bon, là. Qu'est-ce que tu vas mettre en background pendant que je vais parler de l'excellent long métrage? Écoute, je mettrais bien, mettre quelque chose. Je vais mettre, bon, on a entendu tantôt Les Enfants oubliés de Mario Benjamin. Ben, Chantal Perry l'a déjà faite, elle aussi, avec Carl Williams, son chum de l'époque, avec lequel elle n'est plus, mais pour lequel elle dénonçait la convergence en faisant des vols. En faisant des vols à l'étalage. Oui, à l'étalage, ouais. Voilà. Et alors, Chantal Perry vous rappelle que c'est pas obligé de coûter cher, les cadeaux de Noël. Donc, on écoute Les Enfants oubliés en background. T'es pas obligé de profiter d'une sacoche. Puis au pire, si on se fait pogner, on dénonce quelque chose qui nous tient à cœur. Ben oui, de quoi de grand? Ouais. Comme l'amour de Noël. Ben, dénonce pas l'amour de Noël. Le manque d'amour. Ouais. Ah, vas-y, Tim. Donc, tu peux mettre des extraits en background aussi, gêne-toi pas, hein, n'importe où, c'est très beau, il y a des costumes dans ce long métrage-là, chose de fabuleuse beauté. Bon, ok, on le sait, c'est le numéro 2, mais ça n'a aucun lien avec le premier, je n'ai parlé. Seules quelques séquences de combat spatial directement tirées du premier vont créer une continuité pour le moins douteuse entre les deux films. Aucun personnage récurrent aux deux, aucune planète... Aucun méchant, aucun thème, c'est vraiment juste du stock footage, pompé du 1 outrageusement. Et le 1, qui était à moins 7, Star Crash 1, qui était à moins 7 de belle manière, mais plus pour les effets spéciaux. Ici, oui, on a une très belle séquence, ça vaut la peine d'écouter ça. On a rajouté du Jeff Buckley dessus, c'est normal. Pas la branche. Il se tient vraiment pas le chance. Montage ici. Oh! Oh là là! Oh! Oh! Et hop, et voilà. Je sauvé. Sais pas, on a sûrement compris. Hein? Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas vu. C'est là, ça. Là, juste avant, en fait, tout le monde voulait les tuer parce qu'ils arrivent sur une planète d'extraterrestres dans le lointain là-bas. Là.
avec ce shoot là chevelu en qu'on a envie d'y donner des coups de pied là, tu vois, il retourne où le monde l'haïssait, il était pour être jugé comme si de rien n'était, mais ça va influencer son jugement, j'imagine. Cet acte de bonne volonté. Ouais, ben je pense que oui. T'as vu l'angle, comment il est tombé? Ouais. Il tombe de même, mais lui... Il atterrit en diagonale. Bon, film italien à l'esthétique divergente, Star Crash 2 est paru, je le rappelle, 4 ans après le premier Star Wars. Toujours intéressant de voir les manifestations du concept de stagnation, car pas beaucoup d'idées novatrices ici, non? On assiste plutôt au recyclage éhonté d'un concept aussi tueur et prestigieux que celui de Flash Gordon, Guy Leclerc en français. C'est ouais, pas mal l'un de mes noms de héros traduits les plus utiles. Guy Leclerc. Guy Leclerc. Guy ça, Leclerc, ouais. Oh, ça prouve que ça date de ça fait longtemps. Ouais. Pantalon en lycra jaune, poitrail rouge, tout autant trop serré. Il faut voir l'apparence du roi du mal dans le film, ainsi que les épaulettes virilisantes du héros qu'on vient de voir, pour commencer à comprendre l'étendue du spectre de souffrance pour les yeux qui nous est ici offert. Et le méchant, on va le voir tantôt, il a de la barbe en glitter, il y a du glitter dans sa barbe, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça intéresse. Ouais, ça se peut. Mais voilà, ben oui, c'est le roi du mal, il s'appelle roi du mal. Ah, les gens disent pardon au roi du mal. Ah. On l'a ici, là, regarde bien. Ils sont peut-être officiels. Il est en train monsieur de parler avec le roi du bien, t'as le roi du bien. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Es-tu le roi de l'ordre, le roi du chaos? Non, le roi non, de la neutralité. C'est, non, le, ouais, peut-être la, check le glitter. Ah oui? Pas moi qui ai rajouté ça, là. Non. Puis check le beau panneau à lumière ouais, qui brille. Lumière flash, ouais, c'est toujours super. Des indicateurs de toutes sortes d'affaires qui sont soit tout allumés en même temps, soit tout éteint en même temps. C'est ça, hein, ouais. C'est intéressant. Ouais, ouais, on pourrait ouais les remplacer par une seule lumière, puis sauver plein d'énergie. La lumière rouge de la honte. Ah, mes lumières! Donc, faute de mots suffisants, je ne tenterai pas de décrire les deux vidéoclips inclus dans le film, parce qu'il y a vraiment deux vidéoclips, et ça, ça me pue tout le temps au nez. C'est... Puis là, je veux pas dire comme une trame sonore sur un montage. Je parle, la toune commence, c'est dans un setting, dans un décor qui est fait pour ça. Ça paraît que la mise en scène a été faite en fonction de la toune, que tout le monde était d'accord de faire un vidéoclip. Mais comme dans le temps des comédies musicales, là, comme les Beatles, ouais, mettons, les films ouais des Beatles, tu sais, c'était pas vraiment des vidéoclips, mais oui, ça en est, tu sais. Donc, on a deux vidéoclips inclus dans le film, on a des maquettes de vaisseaux spatiaux qui sont fabuleuses. Le vaisseau du roi du mal, c'est parce qu'il venait de faire 4 ans avant, comme l'espèce d'œil du mal qui surveille tout pis qui peut faire exploser des planètes, là. Ok, ça dans, dans Star ouais Trek, là. Ça pis, quelque chose. Pis dans ça, là, c'est comme une main ouverte, comme ça. Puis la main, elle peut se refermer, puis s'ouvrir, tu sais. Puis c'est un vaisseau spatial géant de main ouverte. Qui peut poigner des affaires. C'est toujours ouh utile. Ou ouais, qu'a-t-il. Mettons t'as échappé de quoi dans l'espace, là? Mettons que t'es... Ah, check les panneaux avec des lumières, mon gars. Ouais, y'en a oh, on est vraiment à lumière lande. Ah, moi, je serais jamais capable de dormir. C'est Noël dans Star ouais, Crash c'est... 2. Ouais. C'est un vaisseau de Noël. Donc, la journée qu'il y en a une qui brûle là-dedans, y'a-tu quelqu'un qui s'en rend vraiment compte? J'avoue! Ou c'est la panique tout à coup. Fuck, il y a une ça affaire! Fait, ça fait longtemps que l'argon n'a pas été à remettre en doute, mais non, c'est que la lumière de l'argon est brûlée. Ouais. Donc, un film. Hey, check le méchant encore. Un film excellent dans duquel la bêtise des terriens, les décors, le montage, l'érotisme léger, vraiment léger. Les costumes, les effets très spéciaux, les décors, les costumes. Mais. Les costumes, les effets spéciaux. Les corps. Les murs avec les lumières. Check, ouais, on a encore une autre séquence. C'est ça qu'on vient de voir. Ouais, ben en fait, c'est. Ok, je vous le dis. Ah ouais, là. Ah ouais. Je vais vous le dire plus tard. Pas game. Encore plus fort, parce que ça frappe encore plus fort quand on écoute le film, mais le fait qu'une civilisation au complet, sauf ses deux plus fertiles membres, soit rasée totalement dans les 10 premières minutes du film, ça va rien faire à personne. C'est très particulier parce que le roi du mal attaque et tue tout le monde. Sauf deux. Un couple fertile. Et voilà. Et c'est correct. C'est comme, on ben, commence tant l'histoire là-dessus. Un couple là-dessus fertile, ça va? Ouais. Il y a le cycle de la vie. Je suis d'accord pour dire qu'à chaque fin, il y a un commencement, mais des fois, il faut quand même réaliser la fin avant de recommencer. Ouais, tellement ça de morts, si peu d'émotions, dis-je. Que reste-t-il pour pleurer? Moi, qui reste-t-il pour pleurer tout le monde, vous demandez?
Ne m'obligez pas à aborder le scénario de Star Crash 2 comme une entité ficelée qui se tient. Chaque séquence appuyée par et appuyant l'autre. C'est peine encore plus perdue que tout le reste, c'est sûr et certain. Sinon, on a compris l'idée, un roi du bien se fait défoncer la gueule par un roi du mal. Il donne sa bête de fille, la princesse, bien sûr. La princesse, c'est sûr. À son seul sous-fif compétent qui pouvait lancer des lasers par les mains et qui a son armure avec les petites bulles sur l'épaule. Arc. Le bel âtre aura pour maison mission d'attendre les deux tiers du film avant de baiser la princesse. On s'entend que c'est pas mal votre ça. Votre mission, si vous l'acceptez. Mais voilà, d'attendre les deux tiers du film. D'accord. Mais le roi du mal veut lui aussi baiser la princesse. Ainsi vont les choses. Alors, dans le même décor et dans le même après-midi, il tourne plusieurs séquences de lui frustré de pas pouvoir baiser la princesse. Ouais, j'avoue. Ce qui lui fait le plus mal, c'est de savoir que les deux autres passent leur temps à apprendre à baiser. Quoi? Apprendre? Oui! Car la société de notre galaxie est composée d'individus immortels qui ne se touchent jamais, eux-mêmes comme entre eux. Apprendre, car pour satisfaire les mâles qui veulent voir les boules de la princesse, les deux naufragés de l'espace échouent sur la planète Terre, une planète de contes de fées, peuplée de gens incommensurablement influençables. Sur cette oasis perdue au fond de l'univers, ils découvriront l'eau, oui, l'eau, le liquide qui se boit, et découvriront l'amour. Wow, une grosse semaine. Ouais, ouais, grosse semaine. L'amour physique pratiqué par les citoyens de la galaxie du futur aura de sévères répercussions. Surtout dans la forme plus que dans le fond, car les spectateurs apprennent que les gens du futur sont immortels, en même temps que nos deux héros apprennent que d'avoir du sexe leur fait perdre leur immortalité. Oh non. C'est assez fabuleuse. Scandale. Je sais pas si vous saviez, mais avant que vous me connaissiez, j'étais général de l'armée du Canada. C'est toi ça? Oh oui, c'était moi, mais finalement j'ai décidé de débarquer, parce que ainsi... les répercussions de cet effet secondaire, soit perdre son immortalité, calice, sont ensuite assimilées par quelques secondes, en quelques secondes par les héros. Très douteux, d'autant plus douteux qu'ils savent pertinemment ce qu'est le concept de mort. Ils sont immortels, ils connaissent la mort. Eux qui viennent de perdre tous les membres de leur race. Ouais, ça veut dire, je comprends pas le pattern psychologique qui peut... Il faut que tu sois très détaché, mettons. Ouais. Ben, pourquoi d'abord il était attendri par la petite fille qui était pour tomber en bas? C'est vrai, il aurait pu s'en foutre. Très compliqué. Ouais. Rattrapés par le roi du mal, qui ils se sont sauvés de sa planète, ils seront sauvés de justesse par le montage et rien d'autre. bien sûr, ils vont prendre quelques secondes de leur temps pour entraîner les terriens qui sont, ma foi, incommensurablement influençables. Et vous remarquerez à quel point tout le monde est habillé propre. On est comme au niveau de l'histoire humaine, parce qu'ils disent qu'ils sont sur la Terre. OK. Bon. On est au niveau de l'histoire humaine où tout le monde s'habille comme à la grecque, party, tu sais, orgie. Toga party. Mais que tout le monde est propre, tous les costumes. Ils habitent un pit de sable, là. Tout est plus blanc que blanc. Tout est blanc. Le blanc est blanc. Mais est-ce qu'ils révèlent le secret de leur détergent? Non. Non. Non, non, ils révèlent pas grand-chose. Ils révèlent que... Ah, révèle qu'ils savent pas. Ouais, ouais, ça pose la question. Bisous, puis ouais, voilà, voilà. Donc, au prétendu final, une question au minimum demeure. Pourquoi tout le monde parle la même langue dans l'univers? Ouais, ça revient souvent. Ça revient souvent. Ouais. Moi, je pense que je suis d'accord, mais j'aime bien la version du Hitchhiker's Guide, là, tu sais. Ouais, le poisson dans l'oreille. C'est ça, t'invites le Babble Fish, là, t'invites une petite affaire rapide, là, que c'est magique ou c'est physique, là, ou ça c'est extra-technologique, mais on part, puis tu sais. Mais pas faire comme si Chris. Ça prouvait pas la non-existence de Dieu également dans le film, ça avait un autre but. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, ça c'était l'aléa de ça. Ouais. Mais finalement, le quatrième volet de la trilogie, ben, ouais, c'est qu'ils vont chercher le dernier message de Dieu à sa création. On parle d'une affaire qui est hot, là. Oui, oui, allez lire ça, les enfants. C'est ça, Hitchhiker's Guide, Douglas, il est mort. Oui. Star Crash 2, donc, il se voulait une métaphore de la renaissance de l'amour, et plutôt un excellent moins 7, moins 5, moins 8. On est dans l'italien divergent, en sacrament de toute beauté. Là-dessus, est-ce qu'il reste un clip, mon cher Dieu, que tu n'as pas mis encore? On va écouter 2-3 clips qui sont tirés du film, ou d'ailleurs, et puis bien sûr, on va écouter...
On va écouter la capsule des petits quotidiens de Danny Daniel Gabriel et on revient avec notre cher Bernatché et sa chronique de la semaine. Là. Explosion dans le monde de la bande dessinée. On les phénomènes de bande dessinée. J'ai hâte de voir. À 70%. Excuse, hein. On voulait pas vous faire subir ça, mais là, c'est commencé. Noël ensemble. Non, je pense qu'on l'écoutera pas au complet. La gang, j'ouvre les micros, c'est vraiment trop de la merde. Qu'est-ce qu'il y a? On remet Danny Daniel. Danny, c'est le temps de ta chronique des petits quotidiens juste après Noël ensemble, parce que c'est ça, Noël de Noël. Mmh.
monde de la prostitution. Par peur du manque de drogue, par peur de cette menace des propres fenêtres, on ne sait. Allô, ah. Oui. Tu veux faire rentrer le chien, s'il te plaît? Oui, d'accord. Bon, en fait, le chien y est rentré. C'est temps de prendre ce petit déjeuner. Tabarnak. Mon bacon. Ça doit être ce foutu de chat, encore une fois. On va voir ce qu'on va voir. Minou, 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 minou. Bacon, 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 bacon. Bacon. You, bacon, bacon. Bacon, bacon, bacon. Bacon. Bacon, bacon. Où es-tu? Ah, un indice. Oh. Ah. Je crois que ça sent quelque chose. Hein? Ah, c'est pour ça que tu voulais que je rentre le chien. T'en as profité pendant ce temps-là pour piquer mon bécule. Et en plus, ils sont idiots la plupart du temps. Où est-ce que je vais trouver un galion? Alors ça, c'est injuste. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Avec Julien! Avec Julien! Live! Voilà, ça me prend mon... Live! Alors, voilà, c'est... On me demande souvent, c'est quoi les derniers phénomènes bande dessinée? J'aimerais ça qu'on me le demande. Je dirais que j'ai encore une chrome dans mon sac de... Merci. Vous amuser. Mais j'ai le dernier. La planète des Mics. Oh! Ah ouais, voilà. Je me souviens de ça. Hey boy. Ouais. Et voilà, et c'est indiqué à l'arrière. C'est vieux, ça. Les nouveaux phénomènes de la bande dessinée. Ah ben donc voilà. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est eux. Les Mics et les Miquettes. C'est l'album de monsieur, il semblerait, Henri Desclèze. On me demande souvent, c'est qui Henri Desclèze? ou Desclèze, ou en tout cas, je sais pas comment il m'a... D'après moi, c'est Desclèze. Henri Desclèze est né le 5 novembre 1942 en Belgique. C'est un peintre, dessinateur et scénariste de bande dessinée qui est installé au Québec depuis les années 80. Puis lui, écoutez, il a été rédacteur en chef du journal Pilote. Il a succédé à Craig en 72. Puis dès 75, il a été rédacteur en chef du journal Tintin dans sa version belge. Fait que c'est un gars qui est quand même, tu sais... Hein? C'est quoi, la bande dessinée? Il a fait de quoi? Ben oui, normalement. Pis, c'est d'ailleurs un bon ami de, j'ai oublié son nom, là, celui qui fait le scramustache. Gosse. Gosse. Fait que, ouais, alors il a, mais il est déménagé au Québec dans les années 80, là, je sais pas la date exacte, je vous reviens là-dessus. 12 mars. Puis là, il a fait de la bande dessinée et il a fait La planète des Mics. Il a fait aussi des bandes dessinées de, comment ça s'appelle? Des bandes dessinées de Nick et Pic, qui sont probablement très bonnes. Aussi plusieurs albums de Brisebois et compagnie. Et il a fait 8 albums de Monsieur Tranquille, qui pourrait fort probablement faire une chronique B2 aussi, mais ouais, on les retrouve moins sur les rayons dernièrement. Mais... fait que voilà, fait que je me prenais la bibliothèque, je me disais sur quoi je vais faire ma chronique cette semaine. Bon, alors voilà, La planète des Mics, tome 1. Je l'ai lu.
Vous n'aurez pas à le faire. Merci. Alors, ça commence. Selon moi, écoutez, quelle est la ligne entre l'hommage et le plagiat? Hein? Des fois, t'es assez mince. Ouais. Puis, si tu veux connaître le succès, toi aussi, est-ce que c'est justifié de plagier ça? Ouais, ouais. Clairement. Il y a Tommy qui parlait tout à l'heure, dans des mots bien plus éloquents que moi, sur le recyclage à l'extrême. Ouais. Ben, c'est ça. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé ma chromique. Voilà. Alors, ça commence. Je l'ai dit. Ouais, ouais, ouais. T'es pas là? Y en a-tu avec micro après? Là, tu peux zoomer sur la grosse case noire ici. En l'an 6502 de l'ère de Super Brigade Mick, dans le cadre de la troisième galaxie du Big Mick niché dans la septième dimension, tout est bien calme sur la planète Super Mika. Tabarnan. Voilà. Ça commence à être mise en situation. Mise en situation, une planète on sort en le forme bacon de fève. Fait qu'on se demande comment ça doit aller pour les... Ouais, la loi de la gravité ne répond pas aux mêmes lois sur la planète des mises. Voir comme tout le temps des catastrophes naturelles, probablement. Mais bon. Mais ils ont l'air apaisés. C'est pour ça qu'on déménage dans Ray, on a plus de pluie. Ouais. Julien qui a pris des notes. J'ai pris des notes sur plusieurs petits papiers. Parce que c'est quelque chose qui aurait pu aller plagier aux autres, c'est mettre des numéros de page. Ça m'aurait beaucoup aidé parce que j'aurais pu juste tout mettre mes notes sur la même page. Je vais écrire page 3, telle affaire, page 6, mais pas de numéro de page. Mais non. Ça, ils n'ont pas cru bon voler ça, par exemple. Non, ben ça, mais, c'est dépassé. Mais pour ce qui est du reste, on voit que c'est évident que les mix sont, bon, ben c'est un peu le rip-off, les galaxiens dans Scrameustache, les Schtroumpfs. Il y a une tête de E.T. un peu une aussi. Une tête de E.T. aussi, c'est vrai. Ben en 84, je ne me trompe pas, cet album-là. Fait que c'est dans la E.T. Mania, une tête en forme de leur planète. Fait que c'est bonne, comme nous, un peu. Ah ben donc c'est logique. C'est logique. Voilà. Et ça commence ici, il y a lui qui a faim, mais en tout cas, il s'appelle Bully Mick. Oh. Parce qu'on s'entend que c'est le genre de choses pour rire. On comprend toute la trail. Il faut rire de ça. Il va avoir astronomique, puis il va avoir. Alors voilà, Tommy vole mes punchs. Écoutez, c'est un peu ça. On comprend que. On comprend pas vraiment. On comprend que tout de suite, OK, ils vont tous avoir un nom comme leur qualité, comme les Schtroumpfs, comme leur particularité. Mais qui rime en Mick. Puis Grimm en Mick, qui est assez similaire au X dans Astérix. Oui, quand même. Dans Atex. Fait qu'il y a ça aussi. Alors voilà. C'est les mix. On voit la prémisse de l'album, c'est que sont sur une planète, là, sont là. Puis là, il y a le roi, ou je sais pas quoi, le grand Schtroumpf, la place, là, qui leur dit que. Il va prendre 100 des mix, 100 comme les Schtroumpfs, 100 des mix qui vont aller dans un vaisseau pour faire leur première exploration interplanétaire. Alors là ici à la fin ils font c'est le mic du bip, là ça fait comme ça là, schtroumpf, ben oui. Schtroumpf, qui fait quel hasard. Ensuite de ça, ben on a quelques mics qu'on voit dans ces deux pages là, il y a Gin Tomic. Ça, il y a ça qu'on s'éloigne quand même des schtroumpfs, il y en a un qui se saoule. Okay, bon, il y a symphomique. C'est leur schtroumpf grognon à eux autres. Genre, non, il y en a un. Le schtroumpf grognon, c'est déprimique. Ça marche. Qui est comme le schtroumpf grognon qui veut pas faire les affaires. Puis c'est ça. Il aime ça ne pas aimer. Donc celui qui est comme le schtroumpf à lunettes, c'est polémique. Et voilà. Lui, il chiale comme le schtroumpf à lunettes, mais je ne le schtroumpf à lunettes. Celui qui est comme gourmand, c'est symphomique. OK. Alors ça continue. Ça aurait pu être gastronomique. Ça aurait pu, mais ils ont mal pensé. Ils n'ont pas assuré là-dessus. Ouais. Hein. Si j'avais une critique à faire, ça serait ça. Une crimique. Oui, OK. Fait que sinon, celui qui est comme le schtroumpf farceur, c'est comique. Ah, ben là, ça c'est parfait. Voilà. Ça c'est bien beau. Celui qui est comme le schtroumpf poète, c'est académique. OK, oui. Là, ici, il y en a un qui est comme le schtroumpf paysan, mais tu sais, ils n'ont pas trouvé de mot, fait qu'il n'est pas nommé. Tout le monde le connaît, là, oui. Mais c'est ça, mais ils n'ont pas trouvé d'un truc fini en hic qui a rapport avec cultiver. Agronomique. Ouais, ouais. Agronomique, bon, ben voilà, t'aurais dû être là. T'aurais dû. On en refait un autre. J'aurais dû, on fait pas ça. Voilà. Ici, rip-off de la potion magique d'Astérix. Ouais. On se souvient qu'est-ce que ça fait. Ouais, c'est ça qui se passe, c'est que le rip-off du grand Schtroumpf annonce au rip-off des Schtroumpfs qu'il faut qu'il trouve une. C'était quoi donc? Un rip-off de la pote de Astérix. Genre, pour. Puis les 100 meilleurs vont pouvoir faire le voyage intergalactique. Fait que c'est ça que tu suis tout le long de l'album. Ça en suit des mésaventures courtes qui ont pas beaucoup de liens l'une dans l'autre. Ici, dans cette page-là, ils ont plugué les personnages de Calcula. Oh, intéressant. Et Chris, qui est une calculatrice. Non, chez moi. Et Odini. Odini. Là, vous me dites, mais d'où ça sort, Calcula et Odini? Mais où ça sort? Ben, ça sort bien sûr des deux albums
Les Mick et Miquette, l'initiation à la calculatrice électronique. Ah, bon. Et les Mick et Miquette, introduction au micro-ordinateur. Ah. Les albums. Dans l'album. Ça, c'est des bonhommes qui ont encore d'autres gens de leur race sur la planète, là, mais en tout cas... Au départ, c'était éducatif, donc, c'est au ça, début. C'est des albums que, ouais, éducatifs. Ben, il y a deux albums éducatifs, puis il y a celui-là qui est comme, qui est comme plus une fiction, musique, là. Qui est juste le fun. Un coup que tu as maîtrisé ces deux instruments-là, tu peux te reposer, t'amuser, ouais, un peu. Parce qu'on s'entend qu'une calculatrice, c'est pas simple. Ouais, c'est Ben, je pense qu'ils ont cette forme-là aussi, parce qu'au départ, c'était pour les dentistes, là. C'était pour nous éduquer à nous brosser les dents, puis il y avait comme des têtes en forme de dents. Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. Ça se pourrait. Ouais, il a fait une bonne carrière. On mène l'enquête. Mick de la 7e galaxie. Là. Bon, je reviens là-dessus, écoutez. Ben oui. Puis là, ils s'en vont dans une espèce de place avec des méchants, des croque-mic. Ah. Voilà. Oui. Puis là, ils vont là pour trouver le grand papillon légendaire. Pourquoi je m'en souviens plus? Puis là, il y en a un qui fait. Il dit: ah, pour les pognons, on va se déguiser en papillon. OK? Puis là, il dit: mon plan est infaillible et en plus, il est d'une rare méchanceté. Ben oui. Mais je pense qu'avec un minimum d'imagination, on se peut trouver de quoi de beaucoup plus méchant. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, mais c'est la première paresse que j'ai trouvée dans l'album, là. Oui. Fait que là, je passe vite, mais le papillon est mentionné plusieurs fois dans les pages. Puis éventuellement, tu te dis, ben j'ai hâte de voir de quoi a l'air ce colis du papillon-là. Puis finalement, il a l'air de la pire case de bande Disney le soir de Mente. Là, ça vaut la peine de zoomer correctement là-dessus. Ça monte un petit. Ah, si! Voilà, c'est le papillon. Wow. Le papillon, wow. Papillon gay? Mais les rip-offs de Schtroumpfette le trouvent bien beau, eux autres. Les rip-offs de Schtroumpfette le trouvent bien beau. Et ça fait qu'il savent pas qu'il est gay. Puis d'ailleurs, c'est évident, il est pas dans. C'est pas clair. Mais aussi, il est pas de la même race que les gens de ce planète-là. Non, genre, c'est ça. C'est comme si moi, je trouvais un chien beau. Là. Ouais, ouais. Mais genre, beau, en tout cas, beau. Ben, c'est beau dans le sens de je veux vrai. Ouais, je veux jouer qui me suce. C'est ça. Ouais. Ça t'est jamais arrivé? J'aimerais voilà. Ça que tu sois la mère dans de mes enfants, chienne. Ici, il y a une case que j'ai bien aimée. Il y a le rip-off de Schtroumpf Grognon qui dit à rip-off de Schtroumpfette. Que dirais-tu d'un pique-nique avec mes saucisses? Elle a fait: ah, ça, c'est une bonne idée! Boum! Fait que ça, je trouvais que c'était suggestif. Le Schtroumpf Grognon, le Mick Grognon propose des choses, c'est quand même assez unique, ça. Ben, juste quand ça a l'air à sa saucisse. C'est unique, ouais. Ensuite de ça, après avoir eu une bonne idée, les deux, ils se disent: qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça s'arrose! Puis là, ils se saoulent. Oh, mon encore, Dieu! Encore! Dans la case, là. C'est au moins bien très bien. L'autre a dit: bel exemple pour la jeunesse. Ben, tu sais, effectivement. En tout cas. On a du fun, qu'est-ce qu'on fait? On saoule. Il y a un mec qui catchait, tu sais. Là, finalement, il trouve que c'est tellement le fun, tous les efforts que tous les mecs ont fait, que le rip-off de Grand Schtroumpf, il dit: on va faire un grand bal, tu sais, pour. Pourquoi pas? Là, pour le grand bal. Un grand square dance. Un grand square dance. Pour le grand bal, il y en a un, zoom là-dessus, mon ami. Il y en a un qui se travestit, qui se met des trucs sur les mamelons. Okay. Ça s'invente pas, là. Ça, c'est hot. Ça s'invente pas, je veux dire. Non, okay, bravo. Ça, c'est hot, ça. Puis là, ben, on voit dans la dernière case, finalement, tout le monde qui va au bal. Bon, il y a un bonhomme albator, il y a un bonhomme. Un bonhomme Schtroumpf, un bonhomme Mickey Mouse, ils sont pas très bien, mais en tout cas. Puis il chante en cours. Puis là, il y a le bonhomme Grand Schtroumpf qui leur dit: je ne sais pas où vous allez chercher tout ça, mais vous ne manquez pas d'idées. Bonhomme. Je pense que moi, je sais où vous avez pris tout ça. Et on rappelle que tout ça se passe en 6502. 502. Fait que c'est encore, tu sais, les dans Schtroumpf, la septième dimension. Les Schtroumpf, Mickey Mouse, Tintin, c'est encore dans le. C'est encore là. C'est tout dans le passé, en tout cas. C'est... Et voilà. Et. C'est là que tu nous dis 9 sur 10, puis qu'on... Non? Il est tôt. Ouais. Je suis rendu à la fin. Fait que là, finalement, il choisit 100 des mics pour être dans le vaisseau. Oh, puis là, les croque-mics, ils ont un gros aimant sur leur vaisseau, fait qu'ils peuvent suivre le vaisseau des mics sans qu'ils sachent. Et ça dit: et ainsi, le vaisseau des mics s'enfonce dans l'espace. Mais étant donné qu'on l'a jamais revu, ben, je présume qu'il s'écrase dans le soleil deux cases plus loin. Entre les croque-mics, c'est la fin de tout le monde. En tout cas, j'attends toujours le tome 2, on l'a pas vu. Et peut-être que ça, c'était prévu qu'il a pris, en fait, le grand Mick a pris les 100 plus fatigants pour les sacrifier dans le soleil, pour se débarrasser des croque-mics. Ils font ça dans Douglas Adams aussi. Et là, on fait un grand les coiffeurs puis les banquiers dans un vaisseau, puis ça devient les terriens. C'est quelque chose qui est bon signe. On peut voir que l'album, tu sais, à l'époque, quand on était jeune, là, puis c'était ça quand on jouait des livres, là, on voit qu'il a jamais été loué.
Jamais. Même quand c'était prêté souvent, là, il en rajoutait des. Oui, il rajoutait des couches, on s'en souvient. Mais là, il y a une couche. Jamais. Non, fait que personne ne l'a loué. Alors, voilà. Les nouveaux phénomènes de la bande dessinée. Les mecs et les miquettes. Je serai en terminant que monsieur Henri Desclaise. C'est Henri Desclaise a lâché la bande dessinée tout de suite après, et ça c'est la page Wikipédia qui l'indique. Et il a inventé l'émission Le Professeur Iris. Ah ben oui, tu te souviens de tout ça? Je me rappelle de ça. Ouais, je me rappelle de ça, voilà. Ma soeur s'en rappelle. Professeur Iris. Et après ça, il a, en 99, il a lâché la production aussi, et il a commencé à faire de la peinture. Puis là, ça termine sa page Wikipédia en disant « L'influence de la BD le caractérise également en tant que peintre contemporain. Dans un langage pictural brugalélienien, ses toiles interrogent les gens et sont parfois moins engagées. » Moi, je soupçonne qu'il a écrit lui-même sa page Wikipédia. Ça, c'est avant, j'avais... Mais je pense pas que quelqu'un, à quelque part, a décrit les peintures d'Henri Desclaise. Ça se peut pas. Ça se peut pas, là. Mais c'est pas grave. Voilà, ben, il a quand même laissé un patrimoine intéressant et méconnu tout en étant connu. Et il l'a pas au Archambault, mais je vous le conseille. Un achat. Voilà. Allez, regarde, la bibliothèque. Je dois avoir 8, 100 pique-mix sur 100. Ah oui, j'aime ça, inventer une échelle. Ouais. C'est un 100 sur 100, là, ça. Là. Merci beaucoup, Julien Bernatchez, de Noël. Noël. Merci bien gros. C'est Noël. Je vais aller rajouter ça de ce pas sur la page Wikipédia d'Henri Desclaise. Est-ce que tu veux nous présenter deux tunes de Noël avant qu'on aille voir le dernier bloc de nouvelles et finir cette émission? On va faire ça rapidement. Qu'est-ce qui me reste d'intéressant? Rien, ok. Effectivement, il me reste rien. Donc, je vais me rabattre sur Simon Morin et Grégory Charles. Parce que oui, mesdames, messieurs, je sais pas trop comment vous le dire, là, mais Star Academy a sorti un album de Noël. Yeah! Non, cette année. Ouais, tantôt, là. Non, tantôt ça? Genre, là, deux semaines. Oh, là, même. Ça vient juste d'arriver. Moi, je l'ai acheté. Oh. Je l'ai tout écouté. Oh. D'une shot. Oh. C'est vraiment bon. Avec ta famille! Oh. Non, je ne les ai pas mêlés à ça, par contre. J'ai attendu un soir que tout le monde était couché, puis voilà. Fait que là, j'écoutais ça, puis ouf, c'est pas facile. Puis je me suis dit, je vais au moins en faire jouer une, là, je me suis pas tout tapé ça, c'est pas absolument rien. Donc, j'ai trouvé, il y a la chanson Triste à Noël, donc ça fit dans mon affaire, par Simon Morin et Grégory Charles, version française de Blue Christmas, mais ça ressemble pas à Blue Christmas. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est une toune sur un triste Noël, mais c'est comme tout super upbeat puis jazzy. Fait que c'est juste les propos qui sont déprimants. Ma blonde m'a lâché, ça joue pas, Brett, ça joue pas. J'adore dehors dans le banc de neige. Ok, j'adore pas. Ça fait un peu... Mesdames, messieurs, bienvenue au Grand Gala. Si tu pars, je serai plus triste. À Noël sans toi. Chabadab. Les neveux, les parents, les cousins, les amis me verront pleurer parce que tu es parti. Oh, le cocon de neige couvrira. En plus, on voit notre menu de config de YouTube.tv. Sentier où ensemble nous marchions. Ouais, donc voilà, ok, je l'arrête tout de suite, je suis plus capable pour vrai. C'est vraiment, vraiment un album là, super plate. Une chanson que j'ai retenue qui n'a pas rapport dans le thème, là, mais je la fais jouer parce que on parle l'album de Noël. Sur l'album de Noël de Star Academy, il y a la grande Mélissa, là, la grande noire de 6 pieds 4, là, qui a décidé de reprendre Silent Night. Ça, c'est probablement ma préférée de l'album. C'est très harmonieux. Elle dédie ça à sa petite fille, je crois, qui est plus grande que moi. Bon. Voilà, j'avais pas le choix de faire ça. Merci. Yeah. Ma dernière émission. Sinon, à part de ça, ok, oui, une affaire qui est vraiment hot, je pense que je vais conclure avec ça. On a Pierre Alain.
je sais pas c'est qui chante la réunion, ben qui chante, qui parle de façon dépressive, alcoolique sur un air qui s'appelle la réunion de famille à Noël. Donc l'idée c'est que c'est un gars chaud, clochard, qui se demande si sa famille va venir le visiter, puis que petit à petit il se rend compte que non finalement. Évidemment. C'est son coin de rue. Son coin de rue. Ouais. Puis le gars il est français puis il est chaud puis très agréable. Donc, ouais. Mais écoutez bien le début, la première fois qu'il parle. Ah, c'est du sérieux? Ouais, ouais. C'est Gérard Depardieu. Le troisième millénaire sera rendu. Je vais se noyer dans son roumi. J'ai déjà transcrit cette chanson-là pour une vidéo YouTube, puis il y a des bouts que je n'arrivais pas à comprendre, puis ça fait 5 ans que je fais les transcriptions. Là. Dans quelques instants, on sera réunis en famille. Dans quelques instants, on sera réunis en famille. Comme par les années passées. Merci, Étienne. Fait qu'à partir de mardi prochain, l'autre, on suit tous les mardis soirs à DJ Georges Hebdo. DJ Georges Hebdo qui revient. Pour plus de bonheur. Vous avez aimé 10 minutes, essayez une heure. C'est le Rambo de Noël. Oh, là, il hoquette de temps en temps pour montrer qu'il est sous. C'est comme une blague dans le fond. Pas vraiment. C'est juste une mauvaise imitation de gauche. Je pense qu'il y a un message là-dedans pour vrai. Je pense que Pierre-Alain, il y avait quelque chose à dire. Il y a des skills. C'est ça. Puis quand t'es chaud, on comprend pas beaucoup ce que tu dis. Ouais, c'est le message de Noël. Le message, c'est vous ne comprenez pas ce que je dis. Bon, ben merci Étienne. On va garder ça en background pour avoir les trois dernières nouvelles de Noël de notre ami Emmanuel. Oui, c'était l'Action de grâce américaine la semaine passée, hein. Ben oui, c'est pas en même temps que nous autres parce que ça serait peut-être trop dur sur l'industrie d'Indonawals que tout le monde mange la dinde en même temps. Bref, qui dit Thanksgiving dit Black Friday, bien sûr, hein, la journée où les commerces font des gros rabais pour générer les plus grosses ventes de l'année, attirant les foules et les incidents nombreux. José Alonso Salamé s'était préparé correctement à la folie du Black Friday en s'équipant de son 9 mm noir, et les événements lui ont donné raison lorsqu'un autre magasineur, Alejandro Alex, aurait tenté de le dépasser dans la file à la caisse. Oh. L'altercation aurait mené à un coup de poing au visage de Salamé, qui aurait donc sorti son arme de poing pour la pointer sur son assaillant, causant une certaine panique dans le magasin de San Antonio. Les gens affolés se jetant par terre et fuyant la scène par le chemin le plus rapide, peu importe les obstacles. Alex se serait alors caché derrière un réfrigérateur avant de fuir le magasin. Salamé, qui a par la suite été arrêté par la police, a été relâché avec une tape dans le dos et un coupon rabais du magasin parce qu'il possédait la licence conforme de possession d'armes à feu. Oui, donc il avait tout à fait le droit de faire ça. Et voilà. Ah oui. Il était dans ses droits. C'est l'autre qui avait commencé. C'est ce qui se passe. Belle, ça, c'est ce qui se passe dans le sud. Ça, c'est pour vrai, c'est la plus la journée dans l'année qui a le plus gros dépasse le plus de cash. Ça combiné avec le Cyber Monday là, qu'ils ont inventé maintenant là. Ouais, ils font toute la fin de semaine, puis tout le monde dépense tout ce qu'ils peuvent. Cyber Monday. Oui, la même affaire, acheter en ligne, mais voilà. Les femmes préfèrent les hommes qui investissent dans des bons du trésor, selon ce qu'affirme une publicité du ministère des Finances japonais. Oui, on y croit. Oui, je veux que mon futur mari soit responsable avec l'argent, j'en ai assez des Playboys. C'est ce que clame une femme de 27 ans dans la campagne publicitaire qui insiste sur le fait que les hommes qui détiennent des bons sont populaires auprès des femmes. Cette nouvelle vague de publicité vise un nouveau public pour tenter de renflouer les coffres du pays qui s'endettent de façon alarmante. La dette nationale a augmenté de 80% au cours de la dernière décennie et représente près de 180% du PIB national. Pourquoi tous les pays sont endettés? Après avoir visé les retraités avec une espèce de berdard de rhum japonais, les amateurs de kabuki et les femmes qui ont troupé sur le dernier samouraï avec Tom Cruise, cette campagne publicitaire sent le désespoir à plein nez, selon plusieurs observateurs. Oui, en effet. C'est effectivement une très, très forte odeur de dernière chance. Alors, pour terminer... Comment tu vas pouvoir fourrer à jeune, mais bon! Pour terminer, après les vampires en Serbie, dont j'ai parlé la semaine passée, des archéologues nord-coréens auraient découvert l'ancienne demeure d'une licorne. Selon les inscriptions retrouvées sur une pierre. Ouais. On voit Kim Jong-un chevauchant une corne. Selon les inscriptions retrouvées sur une pierre près du temple de Yongmyong à Pyongyang, c'est là que demeurait la licorne légendaire chevauchée par un ancien roi du royaume de Koguryo,
fondation de la Corée moderne. Selon leurs sources, le temple servait de lieu de détente au roi Tongmyong et abritait la demeure de sa fameuse licorne. Ah bon. La découverte de ces inscriptions confirmerait ce qui figure déjà dans les livres d'histoire, tout le monde le savait. Cette découverte servirait surtout à prouver que la capitale de cet ancien royaume était située sur le site de l'actuel Pyongyang, histoire de narguer leurs confrères du Sud. Hein, on les connaît. Ouais. Notez que la machine de propagande nord-coréenne est reconnue pour pondre des histoires abracadabrantes comme la naissance d'origine divine de Kim Jong-il, évidemment, qui a inventé le hamburger, tout le monde le sait, auteur de 1500 livres lors de ses années au collège et golfeur extraordinaire ayant réussi 11 trous d'un coup lors de sa toute première partie à vie. Tout dans le même. Oh, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est par 4, trous? 11 trous d'un coup. Ils ont trouvé des cacas de licorne. Il a terminé à 28. Emmanuel, merci beaucoup. Un plaisir. Toi, t'es mon préféré de Noël. Toi, tu t'en vas pas au moins, t'es pas comme nous. Un jour. Hey, là-dessus, c'est pas mal la fin de l'émission. Merci bien gros, Étienne. On s'est au courant. Merci à David à caméra, Christian Ravenel, le mentaliste extraordinaire, charlatan qui dit, on a Bernatché qui nous a fait ça d'une bonne tranche. Yes, sir. On salue Bruno puis Mathieu qui sont pas là aujourd'hui mais qui vont nous revenir plus fort. Thank you, les Mathieu en arrière de la console. Merci Emmanuel encore une fois. C'est le 9 ce dimanche, c'est 5$ au brouhaha, c'est Everything is Terrible. Sinon, je pense que ça fait pas mal le tour de tout ce qu'on avait à jaser. On va mettre Star Crash 2 juste après. Écoutez ça avec quelqu'un. C'est spécial. Puis sinon, ben nous autres, on s'en va l'écouter au brouhaha. Puis sinon, ça passe dans 7 autres villes au Québec. On grandit, les gars. 7 bitches. Parce que partout, c'est Noël. 7 bitches, parce que partout, c'est Noël. Yo, de Noël. Donc, joyeux de Noël à notre antenne. Ah. Le spécial de Noël a commencé sur douteux.tv. Mais en fait, commence le 11. Le 11 décembre. Le 11 décembre. Et on sinon, ben, c'est déjà commencé sur Radio Cochonnerie, la cochonnerie de Noël qui prend de plus en plus de place. Oui. Lentement, mais sûrement. J'ai peut-être oublié de saluer Danny Daniel aussi. On lui souhaite un joyeux de Noël, en tout cas. Gabriel. On va quoi faire avec ça. Merci tout le monde. N'oubliez pas d'aller voter au www.douteux.org. Point lol. Ouais, c'est www.